de 16h20. Attendez une seconde. Là, il y a, plein de monde qui est rentré en studio, dont notre grande patronne Chloé Boissonneau. Sébastien. Et Nancy Martel. Et Vincent Garneau, notre directeur musical. Qu'est-ce qui se passe? Marie-Claude, Mario, Sébastien, bonjour. Alors, bonjour aux auditeurs. Merci de m'avoir présenté. Je gère, en fait, toutes les stations de radio de langue française au Québec. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 24 heures, on gère une crise en lien avec l'entrevue que vous avez fait avec Gene Simmons hier, le chanteur de Kiss. Oui. Forcé d'admettre que je crois que vous avez manqué de professionnalisme et de préparation. Je voulais, au nom de Bell Media et d'Énergie, de toute l'équipe, présenter mes excuses aux auditeurs qui peuvent avoir été heurtés par certains malaises et propos. Et aussi Mario, s'il te plaît. Okay. Aussi présenter mes excuses à M. Simmons et sa compagnie de disques et au groupe Kiss, qui est quand même un groupe et un artiste qu'on privilégie et qu'on endosse ici à Énergie. Ouais, okay. Donc, ça, c'est la première des choses que je voulais faire. Ouais. La deuxième, en fait, c'est vous dire que Bell Media ne prendra pas sanction contre vous. Il n'y aura pas de suspension. Okay. Il n'y aura pas de pénalité non plus. Mais je veux vous dire qu'on vous a bien eu. De quoi? En fait, vous qui faites des pranks, des coups de téléphone aux auditeurs partout au Québec, vos trois boss présents vous ont pogné pour le poisson d'avril. J'ai des prisons. J'étais comme sur le bord de mort. Je voulais m'en aller. Je voyais Marie-Claude qui avait les larmes aux yeux. Là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est sérieux, pas annoncé. Je vais juste vous dire de quoi. Mais à qui qu'on a parlé? À qui? C'est ça. C'est qui était désagréable pendant 10 minutes? Christophe. Alors, on vous le présente? Au bout du fil. Qui est au bout du fil? Hello? Hello? Oui. À qui on parle, là? I really don't appreciate you making fun of me. C'est qui? C'est pas Gene Simmons, clairement. Who's speaking? Mon nom, c'est Jason. Et je travaille juste à côté de moi. Non, mon tabac! Où ça? C'est pas Jason de Chaume! Oui, c'est Jason de Chaume. Oui, c'est moi! Ah, come on! Ta gueule! Ah! En plus, il y a Jason Rockman qui a fait des stories pour nous bâcher. On comprenait pas ce que c'est. Là, pour vrai, Jason, je suis content que tu sois là. On s'en allait vous parler, les boss, parce qu'ils nous plantent sur ces réseaux sociaux. On comprenait pas. Jason, t'as été extraordinaire. Faut savoir que moi, je travaille tard le soir, puis que Jason, je le croise souvent le soir. Fait qu'on l'a mis complice avec nous autres. Merci. Et là, gang, je suis avec Nancy, votre directrice des programmes, celle qui travaille au quotidien avec vous. Est-ce que vous savez que le vrai Gene Simmons vous a répondu? Tout le monde n'arrête pas de nous dire qu'il a texté. Mais on ne trouve rien. On se fait insulter sur les réseaux sociaux. Attends, comment ça le vrai Gene Simmons a répondu? Juste parce que vous étiez en préparation de show. Oui. Et là, j'ai pas pu venir intervenir parce que vous comprendrez que je ne pourrais pas vous dire ça. Mais... qu'est-ce qu'il y a de plus hot que de recevoir la réponse du vrai Gene Simmons? Mais il est-tu en temps contre nous autres? Non, il est très friendly. Qu'est-ce qu'il a dit? Hey, je veux juste vous dire que je n'ai pas fait d'entrevue. By the way, je ne parle pas français, donc écoutez. Oh my God. Il dit « somewhere in Canada, French Canada, I didn't do it, I was not the one. » Wow. Mais juste vous dire, là, je vais vous dire de quoi. Là. Ça a duré trop longtemps. Ah oui, nous autres, nos cours, moi, on le dit à la fin, mais là... atteinte habituellement. Mais là, tantôt, quand tu parlais, j'avais le goût de pleurer. On s'est rencontrés dans le bureau. Moi, là, je me défends comme une démone. Tout le monde dit que c'est mon mot que j'ai dit, le mot stamina, que j'ai insulté personnellement. Je peux-tu prendre deux secondes pour dire, Jason, man, t'étais... Pour vrai, là, jamais j'ai douté une seconde que c'était pas le vrai. Merci beaucoup. Et c'est drôle parce qu'hier soir, j'ai reçu un texto de mon boss qui a dit, hey, il faut pas que tu bâches Énergie sur les réseaux, c'est une notification comme enlève-moi ça le post.
Et j'ai dit, Mathieu, pourquoi? C'était vraiment poche, l'entrevue. Oui, parce que chien fini. C'est toi qui as fait Jane Seymour. Oh, tabarnak. Ben, attends une minute, il y a une affaire que je comprends pas, là. Tabarnak. C'est que nous, on nous a dit que le la label... compagnie de disques, puis même, j'ai Vincent, tu leur parlais, il était même ici. En fait, je faisais semblant de leur parler, puis quand ils sont venus, en fait, je les ai informés qu'on était pour faire ça, parce qu'ils étaient pour avoir une tempête de messages qu'ils étaient pour recevoir. Puis juste pendant que j'ai le micro, je vais juste rectifier les faits là, que Gene Simmons, Mario l'a rencontré quand il était venu plusieurs années. C'est vrai. C'est vraiment un chic type, là. Okay. C'est vraiment quelqu'un de bien et il n'aurait jamais tenu de tels propos. Mais attends, mais vous, donc l'équipe de Kiss était au courant? La compagnie de disques, oui, le label. Ah, absolument. Finalement, ce qu'on a dit, on avait-tu des billets à faire tirer? On oui, vous les avez pour aujourd'hui. Bon, on remercie les auditeurs d'être dans le coup avec nous autres, d'avoir embarqué Poisson d'avril quelques jours en avance. Mais on a-tu, tu sais, mis à part ça, là, on était poche, mais on était si poche que ça. Ben, disons que Madonna veut faire une entrevue, ça se peut que je demande à Mike Gauthier. Oui, ça. Ben, écoute, je sais pas. Et juste pour compléter, ne sous-estimons pas le pouvoir de la radio pour que Gene Simmons réponde. Imaginez-vous. Ben oui. Hey, Jason Canada en français. Hey, c'est ça. Fou. Gene Simmons vient tweeter Energy. Hey, wow. Hey, ben, Jason, bravo. Puis c'est chiant, mais en même temps, on est mal placé pour dire ça se fait pas, on en fait tous les jours. Non, c'est le coup que vous avez fait contre la pauvre madame qui était là pour laver les chambres, là, c'était, elle a fait un chose avec le crime scene et tout ça, la pauvre madame qui pleurait. Ça, c'est pour payback pour elle. On pourrait en nommer plusieurs qui veulent se venger. Donc, au nom de tous ceux qui rêvaient de se venger sur Mario, Marie-Claude et Sébastien, c'est fait. C'est fait. OK, bravo. Ouais, écoute, j'allais dire merci, mais non, quand même. Merci, Anna, voyons. Écoute, notre producteur, Luc Cochon... Luc. Je suis en temps. Mais là, t'étais pas au courant de ça, toi. On était capable de vivre. Je vais aller prendre un cours d'anglais, c'est ça qui m'a tué. Anglais de merde, ils m'ont eu. Gene Simmons, un gars qui parle anglais, OK, c'est carré. Ouais, ouais. Ils m'ont eu là-dessus. Pour vrai, bravo, très, très bien orchestré. Mais ça fait, c'est la première synergie, chôme énergie, pareil. Ben oui. Fait que Jason, tu nous haïs pas pour vrai, là. Ben non! C'est ça! C'était tellement fun d'avoir la chance de pranker vous autres, là. C'était incroyable. Quand j'ai vu que Gene avait envoyé un tweet, j'étais comme, wow! Oui, c'était bien réussi. Alors, bravo pour tout le monde. Je sais que pour vous autres, c'est un peu playback pour vous autres, mais c'est fun quand même. Mais sais-tu quoi, Jason? Moi, je te dirais, écoute, on va laisser du temps passer, mais on sait jamais. C'est long, on a une bonne mémoire, hein? Ben Jason, écoute, est-ce que tu peux reprendre ta voix de Gene Simmons puis nous faire notre ID qu'on n'a jamais eu en disant Hi, this is Gene Simmons from Kiss, you're listening to Ça rentre au poste. This is Gene Simmons from the band Kiss and you're listening to NRG. Bravo. Ben bravo, vous nous avez eu solide.